Il me mettait en confusion. Il me confusait. Waouh! Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. On est de retour. Donc je me présente, moi c'est Nal, donc artiste multidisciplinaire, donc vous connaissez déjà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les animés. Donc c'est un hors-série. Bon, donc là on est dans le couvre-feu, ok? Donc j'espère que votre couvre-feu se passe bien, qu'à 21h vous avez déjà pris votre train pour vous tailler. Moi personnellement je suis sur le RERB. Donc vous savez déjà que... Bref, on va en rester là. Donc voilà, on va attaquer le sujet tout de suite. Ça va être Worst Anime Character, c'est-à-dire les pires personnages d'anime, selon moi. Donc voilà, je tiens à préciser donc dès le début de cette vidéo... Avant qu'on ne commence à m'attaquer, parce que vous aimez tellement attaquer les gens, moi je... Là, c'est sur les animés, calmez-vous. Ok, je vous dis dès le début, calmez-vous. Donc on va commencer avec des personnages que vous connaissez très bien pour la plupart. Donc j'ai commencé avec Naruto, avec Danzo. Danzo de Naruto. Vous savez déjà qui c'est. Donc Danzo, ce ninja du village de Konoha, d'accord? Ce personnage exécrable que je ne peux pas blairer, mais quand je vous dis, je le déteste. En plus, son bras là, son bras avec tous les Sharingan qu'il a accumulés là. Ça, c'est quoi? C'est dégueulasse. C'est, oh my god, franchement, c'est fucking dégueulasse. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce genre de choses? Franchement. Et donc, voilà. Donc, moi, ce qui me dérange avec ce personnage, c'est que. Il dit faire toutes ces choses pour justement rendre service au village, mais bon, t'es quand même capable d'éliminer toute une lignée parce que t'es pas d'accord avec leur point de vue en fait. Et ça, bizarrement, personne dans le village s'est dit qu'il y avait un problème. Non, carrément le génocide de toute une famille, qui est quand même, de tout un clan, pardon, qui est quand même assez influent, juste parce qu'ils sont pas d'accord en fait. Parce que... Et en fait, ce qui m'a vraiment... Et ça qui m'a énervé dans Naruto, il y a zéro communication. Mais quand je vous dis, il y a zéro communication. Il y a zéro communication. De la toxic masculinity in full power. Mais quand je vous dis in full power, in full fucking power. Sasuke Naruto. Sasuke Naruto. Sasuke and Naruto. Toxic as shit. Ah, ça n'a pas de sens. Bref, revenons à Danzo. Donc voilà. Donc c'est ce personnage que j'ai trouvé vraiment, vraiment méchant pour rien en fait. Il est juste là avec son gang de terroristes là pour foutre la merde en fait. Et... Donc ça c'était notre premier worst anime character. Donc moi c'est Danzo. Voilà, après passons à One Piece. One Peace. Bref. We are. Ok, One Piece, c'est animé de... Ah! C'est donc moi les deux pires de One Piece, franchement de tout ce que j'ai vu de One Piece, de tout ce que j'ai lu en scan, yo, Big Mom et Doflamingo. Ça... Mais celui que je déteste le plus entre les deux, c'est Doflamingo. Franchement, Doflamingo... Aïe. Let me think a little, Doflamingo, c'est cette personne. J'apprécie pas. Déjà son style. Déjà parlons de son style. Parce que le gars là, il a un style vestimentaire inacceptable. D'accord? Ses rayures et son froufrou là. Tonton, c'est le. Ses lunettes en je sais pas quoi là. En pélican. Et donc Doflamingo, ouais, voilà, il m'énervait parce que c'était juste un tyran en fait. Et c'était le pire des personnages selon moi dans. Dans One Piece, parce que ben voilà quoi, tu maltraites toute une population pour ton profit personnel en fait. Donc ouais, il m'a énervé et tout, et parce qu'il était fort pour rien en fait. Il méritait pas sa force. Maintenant, Big Mom, passons à Big Mom. Cette.
vorace. Non, franchement, elle, je crois que ce qui m'a vraiment énervé chez elle, c'est sa voracité. Elle est vorace. On est d'accord que ses compatriotes, là, sur l'île d'Elbaf, hein, elle les a bouffés. Elle les a mangés. Moi, je suis sûre elle les a mangés. Ils ont pas expliqué à moi que j'ai peut-être zappé un chapitre ou je sais pas. Mais je suis sûre, cette vorace, elle avait tellement faim, elle les a mangés. C'est pas possible. Parce que là, il y avait plus personne, en fait. In the vicinity, there was no fucking body. So this bitch, she ate those children. And she was like, they left me. No, bitch, you just hate the motherfuckers. Like, c'est tout. Et donc, enfin, voilà, c'est ça qui m'énerve aussi. Et qu'elle aussi, elle est folle pour rien. Ça m'énerve, en fait. Enfin, les Yonkou, là, damn. Donc, voilà. Donc, bref, personnage suivant. Nous allons parler de Meliodas. Oui. Les gens vont pas comprendre pourquoi, mais je vais m'expliquer. Parce que vous savez déjà que sur Internet et un réseau social très spécial que l'on appelle Twitter, les bébés mangas sont très fans de ce personnage. D'accord? C'est pour ça que moi je les vois en bizarre. Parce que... Meliodas... Posons-nous clairement, Meliodas est un fucking pervers. C'est un pervers. Premier épisode de Nanatsu no Taizai. Il rencontre Elisabeth. Et la première chose qu'il fait, bah, c'est de se retrouver dans sa culotte, en fait, sous sa jupe. Ça, j'ai pas apprécié, en fait, parce que j'étais là, attends, is it gonna be like this for the whole anime? Yo, I can't take that. En plus, il a pas oublié son ex et maintenant il va rechercher. Ah, enfin, il y a aussi le truc de, ils aiment beaucoup faire ça dans les animés, de faire des couples en mode, oui, quelqu'un de très 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 âgé qui a vécu je ne sais pas combien d'années mais qui a une allure d'enfant avec quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, tu vois. Si c'est des jeunes filles, voilà, ils vont faire passer ça du fait qu'elle a 500 ans, donc non, c'est pas de la pédophilie, mais on vous voit en fait, c'est... La représentation fait que, bien sûr que si. Et donc voilà, ça j'aime pas trop. Et donc ça fait que ça fait un peu la même pour Hélène et pour Ban. Donc même si Ban c'est un bon personnage, mais déjà Hélène c'est une toxic girl as fuck. Toxic. Toxic. Ok, elle est jalouse. Elle est jalouse contre Ban parce que elle. Je sais plus, elle parlait à quelqu'un d'autre. Et elle était jalouse, elle a regardé. Je sais plus. Tu sais, une fois elle lui a planté. D'accord, elle a planté. D'accord. Et après, continuons, et maintenant on va partir sur un shoujo. Ok. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Fruit Basket. I was confused, ok, parce que moi je pensais que c'était sur le basket déjà. Moi j'aime trop les animés de basket, j'ai regardé Kuroko Basket, j'ai regardé Ayuru no Sora et tout, et ah. Moi j'ai cru que c'était sur le basket, j'étais chaude en fait. Et puis en fait non, c'était pas ça. Mais c'est bien quand même. Donc voilà, donc je regarde ça et tout. Et c'est pas du tout sur le basket, en fait c'est juste le gars il a un jardin. Bref, donc c'est full basket pour un panier de fruits. D'accord. Là ce qu'on va parler, c'est Akito Soma. Akito. Ah je la déteste. Like, she's really the worst person ever. Like, truly. Parce qu'elle est manipulatrice. Elle est perverse. Elle est méchante. Elle est abusive. Elle est tout ce qu'il faut pas, en fait. Et depuis son jeune âge, l'enfant, depuis que c'est une gosse, elle est horrible. Ok, tu représentes la divinité dans leur, famille et tout, machin, tout ça, et dans le fait qu'ils soient tous des signes du zodiaque. Mais c'est pas une raison pour être méchante, Pantine. Enfin, y a pas... Moi je trouve que ça n'a pas de... Comment dire? Ça n'a pas de sens, en fait, dans ma tête. Bah, la plupart du mal-être que tous les membres du zodiaque ont vécu... Mais c'est elle. C'est elle, clairement. Tout est sa faute. Pour moi, dans cet animé, tout est sa faute. Tout est sa faute. Tu viens frapper l'enfant d'autrui. Elle a tapé Toru Honda. Pardon. L'enfant, elle est gentille comme tout. Toi, tu viens lever la main sur l'enfant. Si sa mère était là, elle t'aurait même démonté ta race. C'est ça que tu...
Donc voilà, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce foot basket, vraiment. Ah là là. Personnage suivant. Là, on va parler d'un animé qui m'a bouleversé dès le premier épisode. Torrent d'émotions. Mais enfin, quand je dis d'émotions, mais c'est de genre, en fait, au début, tu dis oh, c'est mignon, là, tu fais oh. Et en fait, cet animé, je pense que, enfin, je sais pas si par ma description vous avez reconnu, mais c'est The Promised Neverland. The Promised Neverland. Oh my gosh, le premier épisode. La façon dont j'étais choquée. Je m'attendais à tout sauf à ça et j'avais pas lu les scans, rien du tout. Je me suis lancée dans le bal. J'ai oh, ça va être un truc mignon, coco et tout. Il y a trop bien de l'aventure, des enfants qui veulent partir et tout. Trouver la. Comment ça s'appelle? La liberté de je sais pas, parce qu'ils sortent. Ils ont fini leur truc dans l'orphelinat qui était incroyable, d'accord. Et finalement, ils vont vers la vie. Voilà. Puis là, il a fallu que l'autre elle oublie son nounours ou je ne sais quoi pour qu'il découvre la vérité. Oh my god, yeah. I've never been this shocked in my life. La personne que je ne supporte pas dans cette, enfin si je l'aime bien, enfin je l'aime bien vite fait, mais voilà quoi. Sister Crown. Sister. Ah putain. C'est quelle femme? Quelle femme vraiment? Le sprint. Je suis désolée. Si quelqu'un me course de la façon que Sister Crown course les gosses, Toto, je la laisse m'attraper. Moi, c'est bon. Je suis désolée. La femme, elle fait trop peur. Elle fait trop peur. Et moi, c'est pour ça que je la mets dans les worst anime characters. Mais en vrai, enfin, je trouve que elle passe. Mais elle fait trop peur. Ma fille, comment elle termine? Yeah! Passons à un animé que j'ai trop aimé. Bon, à part le dernier arc. Mais j'ai trop aimé. C'est Jojo! Pause. Et j'aime trop leur pause. Jojo's Bizarre Adventure. Les deux personnages dans Jojo that I fucking hate. Dio Brando. Dio. Oh, d'accord. Quand tu vois Diogène, puis Dio vieux, ça. I don't get it. Like, the glow, it was a glow down. Truly. And in personality too. Au premier épisode, I was like, damn, he's fine. He is fine. Okay. Et puis tu vois sa personnalité, t'es là-bas. Eh, passe à côté. Merci. Il est en colère pour une chose que je ne comprends pas. Enfin, je peux comprendre sa colère. Ok, le gars, il est pauvre et tout, machin, tout ça. Sa vie, c'est de la merde, nanana. Je comprends, je suis dans la même situation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi c'est sur les Joe Star que tu veux passer ta colère? Des gens qui t'ont aidé. Des gens qui ont été là quand ton père a essayé de les voler. D'accord? Et toi, tu veux les... Alors qu'ils ont... S'ils étaient méchants, j'aurais compris qu'ils les déchirent la gueule, tu vois. Mais là, il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a vraiment pas de sens. Cette famille qui n'a fait que l'aider, en fait. Et pendant des générations et des générations, il va essayer de les annihiler d'une manière. Tonton, il faut mourir à un certain moment. Et je comprends pas parce que tu les détestes, mais tu veux tellement... Enfin, tu veux tellement avoir ta vengeance que même jusqu'à prendre le corps de ton ennemi... De ton ennemi? Ton ennemi? Jonathan Joestar, tu vas aller prendre son corps pour te réincarner. Je ne comprends pas.
Ce n'est pas de la colère qu'il a, c'est vraiment de l'amour. Et tu continues de machin sur des générations. Tonton, tu es amoureux. Je suis désolée. You're in love with this nigga because you keep like harassing them constantly. Like, vraiment, là, il y a un problème. I am sorry. Parce que je ne pardonnerai jamais, mais jamais, d'avoir tué my boy Kakyoin. Alors là, cette mort. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. Je ne pensais pas du tout que ce personnage allait mourir. Je pense que c'est la mort qui m'a fait le plus de mal avec celle de Mohamed. Parce que... Non, en fait. Le personnage était trop gentil. Tu peux pas faire ça. Donc voilà, Dio Brando. Et son colocataire, je sais pas pourquoi je dis ça. Jotaro Joestar. Alors lui, pourquoi je le déteste, c'est juste parce qu'il est insolent en fait. Son insolence, elle m'énerve. Il m'énerve. Vraiment. Parce que je peux pas me dire que tu as une maman aussi gentille, aussi douce, aussi attentionnée que celle que tu as. Et tu lui parles de la sorte. Elle est là, elle lui prépare des petits déj de malade. Elle est gentille avec lui. Oh mon chéri, oh mon coco. Elle aime trop et tout. Et toi, t'es là. Ta gueule, laisse moi tranquille. Salut, viens, je vais. Oh, non. Non. Elle fait tout pour lui. En plus, tonton, tu es riche, là. D'accord, grâce à d'autres générations, tu es riche et tu agis. C'est bon. Ça va aller, en tout cas. Second animé assez connu. Mirai Nikki. Avec nos petits Yuki et Yuno. Ah, je les déteste, mon Dieu, je les déteste. C'est pas possible. Ces deux-là, en fait, ils se compensent, ils se complètent, ils sont faits l'un pour l'autre. Vraiment, parce que c'est pas possible d'être deux personnes connes comme ça, franchement. Il y en a une, c'est une psychopathe, et l'autre, il est tébé. D'accord? Mais non, là, on radio, moun tébé, là, c'est moun tébé, vraiment, putain. Alors déjà, on a Yuno, donc c'est la fille aux cheveux roses qui par je ne sais quelle manière est intéressée par Yuki. D'accord, elle est folle amoureuse de Yuki pour une raison que j'ignore. Et quand tu découvres c'est quoi son Yuki, t'es là genre hein? Si par exemple lui il venait à tuer tout le monde et que c'était elle les deux l'an dernier, c'est sûr que c'est elle qui allait gagner parce que ça va être dur d'aller contre elle vu qu'elle peut savoir tout ce que Yuki fait. Yuki, à un certain moment, je me suis dit, il va vraiment revenir dans le droit chemin. Il va vraiment se rendre compte que la meuf, elle est folle en fait. Que la fille, là, il y a un truc qui va pas en fait. Il va vraiment s'en rendre compte et en fait, il ne s'en rend pas compte du tout. C'est comme s'il réalise à un certain moment, il est là, oui, mais il y a que elle qui m'achète et moi, je suis... Oh, what are you doing here? Et moi, je suis pas fort, et j'ai pas envie de qu'elle fasse tout le travail et tout. Parce que la meuf, elle est là! Elle est là pour tuer les gens, hein! Quand je. Je suis désolée, elle me fait penser un peu à Mikasa, mais sauf que Mikasa, elle. Mikasa, elle est pas folle. Mais elle, là, c'est comme si dès que tu fais du mal à son soi-disant gars, parce qu'elle pense que c'est son gars, hein, à son soi-disant gars, yeah! Elle te sort des couteaux, tu vois? Et. That's toxic, girl, like. It's not that, it's not worth it, like... Donc tu gagnes le truc et tu dis non, comme il va pas me tuer, on recommence, moi je veux qu'il me tue. Et tu vas tuer ton futur toi, ton autre toi de... Autre animé, encore une fois récent, on va parler de Re:Zero. Là, franchement, je déteste juste ce personnage. C'est une raison vraiment bête, mais franchement, ça m'énerve. Elle m'énerve. Et c'est Emilia. Je sais que tout le monde la trouve mignonne. Franchement, je la trouve mignonne aussi, mais elle m'énerve. Elle m'énerve. Et souvent, je l'aime bien aussi, mais il m'énerve parce que. La fille ne t'aime pas, lâche. Tu as vu Rem, elle t'aime bien, tu aimes bien Rem. Va voir Rem, va là-bas. La fille, elle a des soucis, laisse-la, d'accord. Tu restes là et tout, tu fais connerie sur connerie en train d'empirer le bail.
Enfin, voilà, et puis Emilia, enfin, voilà quoi. Elle m'énerve parce que elle sait pas trop ce qu'elle veut en fait. Et elle. Après, peut-être que c'est parce que je trouve qu'ils ont pas assez développé peut-être sa capacité, enfin ses pouvoirs et tout, mais c'est un personnage principal que je trouve qui est pas utile en fait. Rem, c'est vraiment plus. Il y a vraiment eu plus une histoire, et là je comprends et tout, alors que vraiment, Emilia, c'est plus un crush. Voilà. On va parler d'un autre personnage, d'un autre animé que j'espère vous connaissez, parce que cet animé, il est incroyable. Franchement, moi, j'aime trop cet animé, c'est un de mes animés préférés. C'est Akame ga Kill. Akame ga Kill, d'accord. Et le personnage dont on va parler. Sérieux. Cette voix, mon Dieu, je la déteste. Donc voilà, à première vue, c'est comme pour Gio Brando en fait. À première vue, tu vois cette personnage, t'es là, oh, elle est trop mignon, non, j'ai trop envie de faire un câlin et tout, nanana, enfin elle est trop choupie. Et là, tu vois qu'elle s'enrôle dans l'armée, je sais pas quoi là, dans le truc. Et là, tu découvres sa vraie personnalité, en fait. Enfin, non, son personnage, franchement, il est très bien développé. Mais je veux dire, j'étais déçue de... Parce que j'étais là, j'avais... I had aspirations for you, okay? I thought you were a good person and you just went over and fucked us over. Like, how could you? Girl... Oh my gosh. On va passer à un autre personnage. Et là, on va parler d'un animé que j'aime beaucoup, mais j'ai rien compris, mais j'aime beaucoup. De l'animé qui est assez vieux. Donc, Higurashi no Nakukoro. Et le personnage de Rena Ryugu. Elle est folle. D'accord. Elle, en fait, ce qui m'énervait. Déjà, c'est sa voix. Sa voix m'énervait. Elle m'énervait. Tous les trucs qu'elle voyait, elle voulait ramener à la maison. Tantine. Voleuse. Et parce qu'en fait, elle cachait trop bien son jeu. Bon, déjà, le scénario de cet animé, il est tellement complexe. Enfin, moi, j'ai eu du mal, vraiment du mal à comprendre. J'ai dû aller lire les suggestions pour voir de ce que ça voulait dire. Parce que franchement, c'est comme Ghost in the Shell, j'ai rien compris. Donc, pour comprendre vraiment, mais elle, vraiment, je supportais pas. Parce qu'elle cachait trop bien son jeu. Après, moi, bon, c'est sûr que je pourrais dire ça de chacun des personnages. Parce qu'à chaque épisode, en fait, tu voyais qu'à cause de ce qu'il vivait, à cause de je sais plus quoi, je crois que c'était un virus. Ou machin, ben voilà quoi, il faisait tous des trucs de ouf, ça se tuait en balle, pas par balle. Et donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce personnage là. Je reviendrai la prochaine fois avec la suite du classement, la suite des personnages que je trouve qu'ils sont vraiment exécrables, les gars. On va revenir dessus la prochaine fois. Voilà, et donc voilà, donc on va terminer la vidéo ici et on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de la vidéo en fait, et je vais vous dire les autres que je trouve qui sont horribles, et voilà, et d'autres qui sont pas vraiment horribles mais qui, vous allez comprendre, bref. Donc voilà, see you, bye.